Bonjour à tous et bienvenue dans cette rediffusion de live où l'on va découvrir un jeu dont j'ignorais l'existence il y a même pas une heure. Je l'ai trouvé par hasard dans une liste de recommandations. Il était encore en promo jusqu'à 19h, il est actuellement 19h31. Donc je l'ai chopé pile poil avant la fin de sa promotion pour à peu près 3,50€ sur Steam. Et je sais pas du tout ce qu'il vaut, là pour le coup j'ai acheté. Ce jeu m'a attiré. Voodoo Vince, avec c'est une remasterisation d'un jeu de ce que j'ai compris sorti sur Xbox première du nom. Donc déjà le jeu est sorti sur Xbox, il est parti avec un handicap, hein, c'est un petit peu comme quelqu'un qui... Non, je peux pas le dire. Je peux pas le dire, je suis désolé, on est en 2020, on peut plus le dire ça. On peut plus le dire, on peut plus le dire. Si on avait été encore en 2018-2017, ça aurait passé, mais on est en 2020 et je vais avoir un balance ton mat sur la tronche là. Donc, le jeu nous recommande d'appuyer avec un P sur un bouton. Donc, on va appuyer avec un P sur un bouton. Donc, déjà, il y a une faute d'orthographe dès le premier écran du jeu. C'est pas bien ça, monsieur le jeu. C'est pas bien du tout. Mais c'est pas grave. Allez, on va pardonner. C'est le premier écran. C'est la première impression. Là, déjà, si t'étais un homme et que moi j'étais une femme et que je cherchais à te séduire et vice-versa, c'est déjà mort. Hein. Les 90 premières secondes, il faut pas faire de conneries, mon pote. Allez, c'est parti, donc on va démarrer une nouvelle partie. J'ai déjà paramétré un petit peu tout ça. Je vais augmenter un petit peu mon son. En espérant que ça ne s'entende pas trop. Et... Oula! C'est dans les vieux quartiers d'une vieille ville que tu trouveras mon magasin Vodou. Je suis Madame Sherman, j'aide les gens. Parfois je donne des conseils, parfois je ne fais qu'écouter. De temps en temps, je me sers de Vince, ma troisième poupée vaudou préférée. Le pouvoir attire toujours trop rapide. D'un moment, je ne peux pas suivre. Il a essayé à maintes reprises de s'emparer de la poudre de zombies. Quoi? Une nuit, il a même envoyé des hommes de main pour la prendre par la force. Oui, je fais bien la voix de grand-mère, hein, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas changé! On est en 2020 maintenant. D'ailleurs, petite fun fact, c'est mon premier live de 2020. Hein, pour ceux qui voient la rediffusion sur YouTube. Pour vous donner à peu près l'idée de quand j'ai testé le jeu. Les sbires de Cosmo n'avaient... J'arrive pas à lire. La police, elle est pas très 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 bien... La police d'écriture, hein, n'est pas très 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 bien adaptée, on va dire. Et ça va un peu vite quand même. Donc là, visiblement, Cosmo est le méchant. Et il cherche à piquer la poupée de cette dame-là. Et qui se prend d'ailleurs une chaise dans la figure. Donc là, c'est une totale découverte. Hein. Comme je vous l'ai dit, je ne connaissais pas le jeu. Je me suis légèrement documenté quand même pour voir si ça valait le coup ou pas pour 3 euros. Au moins les avis, quoi. Hein. Et pourquoi pas, en espérant que ce soit mieux que K.O. le kangourou, qui était pas terrible, faut l'avouer. Dans le même genre, enfin, l'un des derniers jeux que j'ai fait sur ce genre-là, c'était K.O. le kangourou. Et franchement, j'avais pas trop trop aimé. C'est bon? Toujours pas? C'est bête, c'est que ça s'est pas doublé en français. Bon, au moins, c'est traduit en français, c'est déjà pas mal. Par contre, je sais pas si j'ai eu une bonne idée de manger un Ferrero Rocher juste avant. C'est les fêtes, hein, donc qui dit fête dit Ferrero Rocher. Juste avant de tourner ce live. J'ai encore des boules de Ferrero Rocher entre les dents. Voilà, c'est des bruits comme ça, très choupinou, que l'on va entendre. D'ailleurs, ce remake a fait un petit peu la surprise, parce que c'est tout simplement enfin, le remake. Le remaster, c'est plus un remaster qu'un remake. Hein. Ce remaster a fait vraiment une grande surprise, parce qu'en fait... On ne s'attendait pas à avoir ce jeu en remake, en remaster tout simplement parce qu'il il est complètement passé à côté quoi. C'est le nombre de gens connaissant ce jeu est confidentiel et même moi du coup qui m'intéresse comme aux jeux vidéo et surtout aux plateformers 3D, bah, je le connaissais absolument pas. Et là c'est, on verra. Donc on est dans une ambiance un petit peu quand même Psychonaut, ça me fait un peu penser à Psychonaut qui m'a énormément déçu. Donc j'espère qu'il va être meilleur que Psychonaut. Donc là visiblement on peut appuyer sur cette touche là pour donner un coup de poing. Très bien.
Donc il n'y a pas vraiment d'interaction avec les objets. Donc il y a le double saut. Pour l'instant, c'est assez classique, hein. J'essaie de jouer sous le bureau pour pas qu'on entende trop la manette, contrairement au dernier live. Voilà, ça devrait être bien. Là. Donc là, on a le miroir qui ne sert à rien. C'était. On peut. Ah, on peut planer! Ah oui, donc on plane, mais c'est en mode. Je suis un zombie! Donc là, on a l'attaque Crash Bandicoot. Et l'attaque Mario. Mais Mario, c'est sur le cul. Ok, très bien. Donc bon, bah, l'attaque Crash Bandicoot est beaucoup plus efficace. Et on débloque déjà un succès. Ah, oh, vous le voyez pas, vous? Ok, très bien. On vous le voyait pas. Bon, bah tant pis. Hein. On voit pas les trophées sur la capture. Ok, donc c'est un pouvoir vaudou à chaque fois qu'on a une icône vaudou. Et ce sont ma meilleure arme, ils te permettront de détruire beaucoup de monstres à la fois. Alors, c'est un mode furie, c'est ça? Oula, oh, et on rote pas, monsieur, on m'en rote pas. Ok, c'est les deux gâchettes. Donc là, j'ai encore un succès. Boudou, boudou, youdou. Ok, donc ça, c'est un. Ça les bloque. Par contre, je peux pas les tuer. Attends, c'est des perles magiques, ok, que je récupère. Ça remplit la jauge qui est en haut à gauche. Je suppose que. En haut à droite, pardon. Je suppose que en haut à gauche. Je confonds encore ma gauche et ma droite, Matt. Bonjour, j'ai 26 ans. Et je vais bien. Et je confonds encore ma gauche et ma droite. Je vais faire partie du membre du club. Parce que c'est déjà. Si je fais partie, c'est que je suis déjà un membre. Je sais plus parler, moi, aujourd'hui. Je suis membre du club de ceux qui confondent encore la gauche et la droite. Et je vais très 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 bien, bien évidemment. C'est une maladie inconnue du grand public. Hein. Je suis le seul, c'est confidentiel, j'aime bien dire ça aujourd'hui. Oula. Bonjour, comment ça va? Tremble à genoux. Ah, c'est Cosmo, c'est lui Cosmo. Cosmo, il a un nez bizarre. Hein. Le futur maître du monde, ça va, il est pas trop. Il est pas trop fier, hein. Il y a un peu d'humour. C'est dommage que ce soit pas doublé en français, ça. Parce que les textes vont un petit peu vite pour comprendre. Ah. Fait vraiment penser à Crash Bandicoot, n'empêche. Là, oula. Il mise vraiment sur l'humour quand même, hein, sur l'absurde, sur l'humour. Ok, lui a mis une tarte dans la figure, mais alors là, celle-là, elle a été mais offerte gratuitement par la maison. Ah oui, du coup, comme on a une poupée vaudou, forcément, c'est le principe de la poupée vaudou. C'est comme ça de faire mal aux gens en leur plantant une épine dans le crâne. Ou pas. Ça me fait un peu penser au dessin animé, on va dire, satirique. American Dad, voire même les Simpsons, South Park, etc. En termes d'ambiance, même si, encore une fois, pour l'instant, un enfant peut y jouer. Hein. Ok, donc ça, c'est l'équivalent des pièces, ou des free, plus des Free Wumpa dans Crash Bandicoot. Ça se contrôle plutôt pas mal, hein, n'empêche. Hein, c'est pas non plus, c'est pas dégueulasse, hein, clairement. Ça se contrôle vraiment très bien. J'ai déjà eu bien, bien, c'est connote. Bien, bien, bien pire. Vous n'avez rien entendu comme nom de jeu. Oh! Ah, Psychonaut, ça a été une déception. Je m'attendais, parce que franchement, Psychonaut, il est souvent cité comme étant un très bon jeu,
Et pour vous dire, c'est l'un des jeux que je n'ai même pas pris la peine de terminer tellement je me suis ennuyé, quoi. Donc là, X pour utiliser la manette. Et du coup, là, si on tombe là-dedans, on meurt. Je voulais faire le test. Ah, ça fait quand même un truc. Ok, très bien. Ça va. Ok, ben ça va. Je me suis fait déchiqueter par des pales, par un broyeur, mais tout va bien. Attends, je t'ai vu là, le viewer, hein, qui a pas osé regarder, hein. Je te jure. Oh là 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 là, faut avoir peur pour rien. Bon, on va aller voir ce stat que j'ai fait pop. Non, c'est l'autre bouton, non? J'ai toujours du mal avec les touches de la Xbox. Parce que je joue avec une manette de Xbox One, hein, comme d'habitude sur PC. Pour faire tomber un objet, je suppose qu'il faut le mettre là. Ça, hein. Non, il faut utiliser. C'est comme ça, hein. Ok, très bien, il fallait mettre ok le sac sur la... Oh. Monsieur joue avec son œil. Monsieur est bizarre. Bon, allez hop, on continue. On a un petit diapticel sympa quand même, hein. Les icônes de pouvoir libèrent de nouveaux pouvoirs vaudou. Très bien. Ah, ok. Les quais. Par contre, je trouve les transitions un petit peu brutales. Là, bon, si je dois critiquer pour l'instant le jeu, les transitions sont assez brutales. Et ça nous laisse même pas le temps de respirer. Je suis limite en apnée là déjà. Ah. Toujours la petite popée très impressionnante, mais tu ne pourras jamais survivre. Oh! Cochon turlure! De ta perte? Oula, la traduction elle est un petit peu bancale quand même. Hein. Bon, on voit que c'est un cochon terrier quand même. Hein. Là, il n'y a pas de problème de traduction pour ça. Clairement, devant, on voit vraiment que c'est un cochon terrier. Je sens qu'il va me sauter à la figure dans quelques instants. Et qu'il va falloir le positionner sur cette plateforme. Ok, il faut trouver un truc. Il faut lui remonter un truc. Donc, du coup, je suppose qu'il faut tomber. Ouais, c'est bon. Oula. Attention! Qu'est-ce que nous dit le panneau? Donc, ok, donc on meurt si on tombe dans l'eau. Ok, en plus, ça nous le dit. On sait pas nager. Ah, il m'a one shot! Oh, pardon. C'est vrai que je suis en live rediffusé. Pardon! Ah, on a un nombre de vies. On a un compteur de vies. Ok, très bien. Deux gâchettes pour le pouvoir vaudou. Wouah! Ah, il one shot! Ah, mais il est violent, lui. Ok, bon, on va rester là. Hein. Ouais, attends. Me fait pas mal, d'accord. On sait que les poupées vaudou ne savent pas nager. Pff, attention quand même, là, parce que je crois que j'ai presque plus de vie. Je sais pas ce qui se passe quand on a game over et j'ai pas envie de le savoir, honnêtement. Ça, c'est le truc dans les jeux, t'as pas envie de savoir quand t'as game over, hein, ce qui se passe. Sauf si vraiment tu sens que c'est safe. Attends, donc là on va récupérer toutes les perles. Voilà. Par contre c'est bête, c'est qu'elles ont un petit peu de... Là-bas. Ok, donc on peut aussi récupérer la fameuse troupe de poupée vaudou avec les... Ça sert à ça. Là on a un cœur, c'est une vie, hein, c'est ça? C'est une vie, très bien. Chaque cœur te donne une vie supplémentaire. Ouais, jusque là, pour l'instant, je suis. Hein, c'est pas très compliqué non plus. Faut pas être fut pour le deviner. Ok, donc si j'attaque pas, forcément, il me fait des dégâts. Donc, j'apprends le jeu. Hein, j'apprends clairement. Comme je l'ai dit, je ne connais absolument rien de ce jeu. Donc là, la découverte est encore plus forte que d'habitude. Où, habituellement, je suis un minimum renseigné sur le jeu. Allez, voilà, parfait. Donc là au moins on a notre attaque, donc du coup je pense qu'on va pouvoir aller voir le truc qui nous one-shot là-bas pour essayer de lui faire des dégâts. Parce qu'il nous a quand même bouffé deux vies. Et je vais pas être d'accord s'il nous en bouffe une troisième. On va voir si on peut pas récupérer ce qu'il y a en haut quand même. Est-ce
Toi, tu dis quoi, toi? Tu dis rien. Ok, très bien. Non, la pierre, s'il te plaît. Merci. Je vais pas être d'accord, sinon. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Allez, lui, on là-bas, on va aller le voir. Sans plus, ça nous le dit, là. Hop, on va faire un double saut. Et boum! Quoi? Attends, du coup, je peux récupérer ça? Attends, on va pas prendre trop de risques. Oh purée. Non, franchement, j'ai pas envie de la tenter. Je sens que je vais me vautrer. Enfin. Vous voulez que je tente? Hein, tu veux que je tente? Bon, allez, on va aller tenter. Parce que monsieur, sur la rediffusion YouTube que je vais entendre dans plusieurs semaines, moi, me l'a demandé. Hein. Donc c'est Mathias, j'ai un défi pour toi, tu vas devoir récupérer la vie sans mourir. Avouez, vous êtes tendu. Hein. Bon, au moins, elle l'aura pas prise pour rien, parce qu'au pire, je la perds juste derrière. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai réussi à aller à la récupérer. Donc, c'est que les phases de plateforme ne sont pas si dégueulasses que ça. Franchement, c'est que ça se contrôle bien. Parce qu'un mauvais jeu, j'aurais pas réussi à récupérer la vie. C'est comme ça, en fait, je suis un tellement bon joueur. Un tel bon joueur, ça veut rien dire, mais un si bon joueur que, on voit tout de suite les jeux qui sont mal foutus. Oh, il y a encore une vie là. Voilà, moi je prends. Hein. Je vais pas m'en plaindre. Hein. Voilà, c'est parfait. Tout va bien. Donc là, on remonte, je suppose, pour aller chercher. C'est quoi ça? Ok, ça c'est ok. C'est pour se téléporter à des endroits où l'on est déjà allé. Alors par contre, je sais pas si c'est un open world un petit peu, bah, je sais pas moi, la Jak and Dexter, si c'est un semi-open world, si c'est vraiment du couloir comme dans Rayman 3 par exemple. Là, pareil, je peux pas vous répondre, je peux pas vous donner plus d'informations que ce que vous voyez là actuellement. Je suppose que voilà. Attends, par contre là, je pense qu'il faut vraiment se pousser parce qu'il va vouloir nous tuer. Quoi? Ah d'accord, ok, en fait il nous arrive des choses. Et ces choses-là tuent les ennemis. Ah, il me faut du temps hein, pour comprendre. Et donc là, ça c'est pour finir le niveau, c'est ça? Grande rue. Donc visiblement, ouais, il y a des sous-niveaux comme ça. Deux pompes à essence. Ok. Sois prudent, elles feront tout pour t'arrêter. Oh. Pas mal la DA. Hein. Ce jeu a un petit cachet quand même. Donc là, effectivement, on surbrille, je suppose, c'est parce qu'on a notre pouvoir qui peut être activé. La fusée. La fusée. Oh, mais je brûle! Et du coup, je perds pas ma ville, hein. On est d'accord. Ok, donc je peux ramener le feu ici. Très bien. Je pense que j'ai compris. Du coup, l'énigme impossible, c'est faire ça, 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 ça. Je sais pas s'il faut faire ça, mais pourquoi pas? Par contre, j'ai vu un truc intéressant là-bas. Alors, c'est quoi pour planer? C'est ça. Quoi? Non! C'est pas ce que je voulais faire. Ok, c'était l'autre en plus. Parce que là-haut, j'ai vu une vie. Mais je pense que non, on peut pas l'avoir. Ok, très bien. On peut pas l'avoir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de trouver une solution alternative pour essayer de l'avoir. Ok, donc là, il faut vraiment utiliser le f... Ah, une vie! Voilà. Bon, par contre, on a perdu le pouvoir et je trouve ça dommage. Et on peut continuer à utiliser le feu là-bas. C'est marrant quand même d'utiliser un héros qui est quasiment invincible en fait. Et je suppose que le feu au bout va nous permettre de terminer le niveau, non? Genre là. Ouais, genre là. Attends, là-bas, il y a des trucs. Je vais quand même aller chercher les trucs là-bas. Parce que je vais le regretter si je le prends pas. Tu vois, je vais pas endormir de la nuit. Je l'ai tué là?
Non, je l'ai pas tué. Oula. Eh, faut que je fasse gaffe quand même. Mais là-bas, c'est quoi? On dirait des chichas. C'est des chichas? C'est des chichas, on est d'accord. Bon, on se barre. Fumez-tu, bien évidemment, hein. Soit des trucs légaux ou pas, fumez-tu. Ah, on peut pas. Ok, très bien. Bah, c'est par là, alors. Je... Oh, bonjour, monsieur le crapaud. Mais j'ai l'impression que là, je vais... En... Ah, attends, il y a des tickets, là. Tickets to ride des attractions. Les pages de crâne. Alors, ensemble, toutes les pages d'une zone, tu tireras de grands avantages. Ok, ce sont des collectibles. Donnant un avantage. Est-ce que je peux me baisser? Non, non, mais par contre, je n'avais pas à me baisser. Très bien. C'est juste que j'étais kéblo dans le mur. Mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Attends, faut aller là. Hein. Parce que là, il y a aussi des trucs là. Là, il y a peut-être un truc intéressant. Je sais pas. C'est un labyrinthe. Help me. Non, mais c'est pas par là. Hein. Bon, bah, on va aller par là. On va revenir là, parce que là, ça m'avait l'air très intéressant et très bien planqué. Et effectivement, ça... Ah, si, 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 si. Non, il fallait planer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je pense avoir compris ce qu'il fallait faire. Donc, du coup, on va faire le tour. Alors par contre, est-ce que mon pouvoir vaudou va servir à tuer le gros truc, la grosse chicha? J'en ai aucune idée là pour le coup. C'était au bout, hein, c'était là, ouais. Parce que là, j'ai oublié des trucs. Je vais quand même regarder, on sait jamais. Je sais pas, moi, je sais pas. J'avoue que là, c'est un petit peu labyrinthique. Il y a des perles qui sont tombées. Bon, bah, hop, on va dans le tuyau. Hein. Par là. Ah, ok, on arrive ici. Très bien. Je sais plus si c'était par là. C'était là, hein. Oui, c'était là. Donc, pour planer, c'est comme ça. Très bien. Est-ce que là, il y a une vie? Non. Est-ce qu'ils auraient été capables d'en mettre une ici? Voilà. Faut le faire comme ça. Attends, mais là par contre, il faut faire quoi? Non, mais c'est pas possible. Attends, on va essayer. Hein, on va essayer un truc. On va essayer ça. Boum! Mais tout à fait. Peut-être qu'il faut ramener le feu devant eux. Parce qu'il y a de l'essence, ils parlent d'essence. Faut juste les esquiver, en fait, je pense. Comme ça? Ouais! Mais oui! Mais c'était évident! Mais c'était sûr! Great Doll of Fire. C'est évidemment des chichas, il y a de l'essence. Enfin, j'en sais rien, mais... Et du combustible. Dépitation. Attends, on pète? 20 sur 20. Attaque extraterrestre, pouvoir vaudou gagner. Et du coup, c'est là-bas, non? Ah non, mais c'est bon, on m'a perdu là. C'est pour ouvrir la grille, non? J'en sais rien. Non. Non, 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 c'est pas là parce qu'il faut utiliser les objets là où il y a des cercles. Peut-être le rouleau compresseur. Peut-être que ça va être de l'essence pour faire démarrer le rouleau compresseur qui est ici. Ouais, ouais, c'est là. Regardez là, il y a le. Il y a le cercle qui va nous dire qu'on peut faire ça. Voilà.
Je sens le truc là de ouf. Je suis badass. Ok, du coup ça nous permet de défoncer la grille et de pouvoir passer au niveau suivant. C'est super. La place. La place, la place, la place. Oh, bonjour monsieur. J'allais m'arrêter là, mais comme il y a un PNJ, je vais peut-être voir ce que ça donne. Un petit peu cet environnement-là. Puis je pense que pour la rediffusion YouTube, on va s'arrêter là après. Bien sûr, sur Twitch, on va continuer cette aventure extraordinaire qu'est Voodoo Vince. Donc je rappelle que il est en solde pas très cher à 3,50 €. Habituellement, il a 12 € je crois. Donc ça fait un petit peu cher quand même. Je pense. J'ai juste vu aussi que la durée de vie est estimée à peu près 8 heures. Ah mais je suis déjà mort! Ah mais je perds la vie super rapidement. J'aurais dû m'arrêter un petit peu avant. Il reste 4 vies. Ah ta 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 ta. Ah ta. Attends, on va s'en aller. On va quand même se mettre à l'abri. Tu nous dis quoi, toi? Ok, donc on a une vue à la première personne. Pff, classique, mais efficace. Là-bas, on a une trompette. Il faut la ramener au jazzman. Ah! Évidemment. Faut trouver de quoi péter, je suppose, la vitre. Là, on a un masque. Mais barrez-vous! On a Aku Aku. Je peux pas m'arrêter là parce que je peux pas m'arrêter. Et j'ai pas envie d'appuyer sur pause. Du coup, on va utiliser le masque pour voler la trompette. Je sais pas comment, mais. Non. C'est pas comme ça. Là-bas. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Est-ce que c'est là qu'il faut ramener le masque? À cette espèce de cheval. Ok, donc il faut ramener une pomme pour cet endroit. Est-ce que là, ah on peut utiliser. Ah ouais, mais d'accord, c'est pour revenir en arrière. Mais je veux pas. Par contre, les trophées, ça y va. Enfin, les succès, ça y va. Oh non, par contre, j'ai perdu mon masque. Oh mais là, ça va pas le faire là. Vous me rendez mon masque tout de suite. Bon, faut trouver des pommes. Mais non! Arrêtez de vouloir me tuer. Je suis qu'une poupée vaudou qui n'a rien fait. J'ai des bras, j'ai des jambes. J'ai des es... Ah, une pomme! Parce que moi, j'aime les pommes. D'ailleurs, une pensée, hein, aux pommes. Y. Y. On va donner la pomme. On va faire cet environnement-là avant de se quitter. Et au prochain niveau, on va s'arrêter. Parce que ça m'a l'air d'être intéressant et je pense que ça va vraiment nous donner un petit peu là où le jeu va aller, beaucoup plus que les précédents niveaux en tout cas. Donc toi, tu vas nous donner un truc. Un excrément doré, c'est ça? Non. Faut une bassine, je suppose, pour récupérer ces crottes. Non, en fait, ok, il nous fait monter. Ouais, je sais. Attends, heure actuelle? Est-ce qu'il faut mettre l'heure réelle? Ah! Je sais pas. Attends, mais ne me dis pas que la pomme, elle... Mais non, mais arrêtez de vouloir me tuer! Je suis une gentille, popée, vaudou! Ouais! Ça donne quoi, là? Est-ce qu'on rentrerait pas dans le magasin, là, par hasard? Ah! Tiens bon à la vie! Est-ce que ça s'appelle avoir chaud? Tout à fait. Là-bas. Non, on le tente ou pas?
Ça va être temps d'axe. Mais oui! Mais tout à fait! Ça passe. Est-ce qu'on est dans le magasin ou pas? Non. Par contre, on a retrouvé notre masque. On va le récupérer. Par contre, j'en ai absolument aucune idée là. On va revisiter encore un peu. Voir peut-être avec ça, il faut peut-être monter avec ça. Je sais pas. Parce que l'horloge, il y a un truc avec. Mais là-bas, derrière, il y a peut-être un truc aussi. Hein. C'est une vie. Absolument pas. Il est quelle heure? PM, il est 20h01. C'est pas ça. Ok, il fallait sauter au-dessus. Ok. Ok. Oulé! Midi. 3h. Là, on a fait un tour du cadran là. Hein. Ah, il faut peut-être mettre l'horaire d'ouverture de la du magasin. Attends. Le magasin, il va peut-être ouvrir à une certaine heure. Donc du coup, il faut peut-être trouver à quelle heure. Open. C'est ouvert entre 20h et 23h. Ok, très bien. Eh, hey, c'est malin ça! Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment de la grosse merde. Hein? Bien sûr, non, je rigole, hein, c'est pour la vanne que j'ai dit ça. Ok. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Hop, on utilise le cheval. Le cheval qui est génial, on a dit c'est entre 20h et 23h. C'est bête parce que là, leur IRL, c'est ouvert. Non, là, on est le matin. Toujours le matin, 10h, 11h, 12h, 13h, 14, 15, 16, 17, 18. Je n'étais pas concentré, ma faute. J'ai voulu me gratter le sourcil le droit si vous voulez vraiment tout savoir. Si un jour vous participez à un quiz expliquant ma life, pourquoi est-ce que Matt en poupée vaudou s'est planté et est tombé bêtement, eh ben faudra répondre, c'est parce qu'il s'est gratté le sourcil. Voilà, bon, là on va dire qu'on est bon, hein. Il est 1h. Il est 21h. Voilà, donc Mathias qui ne connaît pas sa gauche, sa droite, et maintenant Mathias qui ne sait pas lire l'heure. Avec cette vidéo, Mathias va retourner en maternelle, mesdames et messieurs. En maternelle, je vous le dis. Voilà. Parce que c'est pas toi qui va ouvrir le magasin, si. Ah, quoique si, peut-être aussi. 8h, 11h du matin. Mais attends, d'abord, on va aller se faire la fête. Au truc là-bas, là. Parce que visiblement, c'est ce qu'il fallait faire. On l'a vu en premier. Oh! Et là, il y a un truc kung-fu. Midi. 5, midi 15h. Donc là, on peut rentrer là-dedans parce que c'est ouvert. Ça n'a pas marché. Ok, très bien. Et le Jasmine, qu'est-ce qu'il veut?
Allez, une chanson et tu rentres. Donc ça confirme, il faut bien lui ramener la trompette. Donc bah la trompette, on avait vu tout à l'heure que c'était le matin. C'était 9h-11h, c'est ça, hein. Dans le doute, on va mettre 10h. Allez. Une petite phase de blocage. Attends, 10h. Oh, purée, on va faire le tour du cadran, là. 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h! Vite, Matt, il va rater son train! Attends, là-bas, il y a quand même des trucs. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Donc là, normalement, le magasin est ouvert. Donc on va aller pouvoir acheter la trompette. Oui, il est ouvert. Wow, dur, dur. Mais non, mais ça... Attends. Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'on peut le lâcher, ce truc? Attends, costume! Purée! 5-8 heures de l'après-midi. En fait, on va s'amuser avec la montre. Hein. Allez, c'est reparti! Allez, hop là, on est reparti pour un tour de cadran, mesdames et messieurs. J'espère que vous n'êtes pas malades. Allez, bientôt. Et on va s'arrêter là. Bah heureusement que j'ai continué cette phase-là parce qu'elle est quand même très sympa. Alors certes, la vidéo va être un petit peu longue pour YouTube, mais bah au moins vous êtes content. De la fausse monnaie toute fraîche. C'est pourquoi ça? Pour le cinéma? Pour le magasin? J'ai envie de tenter le magasin. Mais j'ai un doute là. Ça m'étonnerait en fait. Et si on laissait le cinéma? Attends, mais c'est le cinéma, c'est le plus près. Je crois que là, ça suffit. Hein. Ah non, mais non, le cinéma, c'était pas à cette heure-là. C'était le matin. Enfin, le matin midi. Enfin, je dis cinéma, mais là où c'est écrit Kung Fu, quoi. Ça ressemble à un cinéma, en tout cas. Donc, non, on va essayer le. Tant pis. Oh, j'aurais dû mettre quelques minutes de plus. Voilà, j'aurais dû mettre ça. Là, on va aller là-bas, là où il y a le cœur. Non! Là. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Ah mais j'ai perdu mes billets! Quoi? Quoi? Mais mes billets ils sont où? Ouais, mais on s'en fout des films de kung-fu. Bon, on va tenter un truc. Attends, déjà, il faut ramener les. Faut reprendre les billets. Prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. J'espère que le truc, il a repop. Oui, c'est bon. J'ai eu peur. Donc, on va prendre ça. Je dis, on va prendre ça. Voilà. On revient. C'était quelle heure déjà? C'était pas loin. Hein. C'était, il faut reculer un peu l'heure, c'est ça? Boum! Ensuite, donc voilà, ça c'est bon. Ou alors le kung-fu pour apprendre à péter la vitre, peut-être.
Ça a dû ouvrir là, non? Oui, c'est bon, c'est ouvert. C'est tellement un clin d'œil à Crash là. Par contre, ça donne pas de vie ça. Hein. Je commence à flipper un petit peu au niveau de ma barre de vie. Qui n'est vraiment pas terrible, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ok, bon. On va revenir là. Donc là, on a récupéré de l'argent. Donc, ça c'est fait. Et maintenant, on remonte et on va au magasin. Le magasin, c'était le matin. Boum! Voilà. Et maintenant, on recule. C'est comme ça, hein? Ouais, c'est bon. Si c'est pas ça, je pense qu'on va s'arrêter là pour la VOD. De toute façon. Normalement, là, c'est bon. C'est ouvert. Donc, le magasin, il est là. Est-ce qu'il est ouvert? Normalement, oui. Il est ouvert. Donc, là, on va se ramener avec les billets. Et là. Oui, voilà, j'ai ma trompette. Bon, non, faut pas mourir. C'est une autre mission pour Voodoo Vince. Tout, 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 tout. C'était assez simple en fait, j'ai passé 50 minutes dessus, mais c'était assez simple. Ah! Ah, il faut que je m'entraîne. C'est pas le kung fu qui va m'apprendre ça. C'est quoi ça? Et je pense que c'est ça. Hein. Parce que c'est du burlesque et le burlesque en général, c'est ça. C'est du jazz. J'ai peur de me planter. Non, on va le tenter, on va le tenter. Bon. Aïe. J'ai peur aussi pour ma barre de vie, qui est ma foi relativement faible. Donc. Voilà. Ouche. L'après-midi maintenant. 3h. 4h. 5h. 6h. 7h. 8h. C'est bon. Non, attention. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que ma logique, elle est bonne? Mais après, il y a le kung-fu. Et le kung-fu avec une trompette, ça va servir à rien. Ok. Bon, on va tenter le kung-fu. Ce qu'on va peut-être faire... tin, tin, tin. Ok, donc c'est... 3 heures. Parce qu'il n'y a pas de cours de musique, hein. Mais là, j'ai aucune logique, là. Ça devrait suffire. Yes! Aïe! Ouais, mais alors là, j'ai aucune idée là. C'est pas là. Attends, il y a peut-être un autre magasin. Ça, c'est quoi ça comme magasin? Cours de musique, je suis sûr. Allez, cours de musique. Jazz Roaster! C'est la nuit, c'est 11h. Purée, mais je suis tellement débile. Mais oui, il fallait apprendre. Il fallait un cours.
Par contre, je sais pas où elle est, la tête rose que j'ai fait pop. Tandis, quelle heure? Le soir, hein. Ouais. 11 h. Enfin, 11 h du soir. Ah! Ouais, c'est bon, ça suffit. Hop! Puis derrière aussi, si on voit la tête alouette, pourquoi pas. Allez, on va aller apprendre notre cours de jazz. Bon, pa, 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 la, pa. C'est bon? Non, c'est bon, tu sais jouer du jazz maintenant. Tu sais jouer du jazz debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que je suis à l'aise avec ma trompette et que rien ne m'arrête. Je joue du jazz debout. Ah bah, il y a une vie. Une vie! Moi, j'ai vu la vie. Bah, je l'apprends. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais j'ai vu la vie, donc je l'apprends. Bonjour toi. Peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. On dirait Coco. D'ailleurs, Coco, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Hein. Le film, pas avec Gad Elmaleh, hein, le Pixar. Je vous parle de bons films, moi. C'est bon, je peux passer? Oui, on peut passer. Eh bien, c'était génial pour le coup, c'était vraiment très sympa. Donc là, on a ça. Eh bah, vous allez la voir parce que j'ai osé trop avancer. C'est peut-être même un boss. Et si c'est un boss, c'est génial. Tant pis, le live, il fera 1 heure, il fera 1 heure. Enfin, la rediffusion live, il fera 1 heure. Et ça a l'air d'être un boss. Donc vous allez avoir en direct un boss. Donc je suppose que vous allez avoir le premier monde en vidéo. En espérant que ce soit pas trop compliqué. Après c'est le premier boss, hein, faut pas non plus exagérer. Bon par contre ça fait 1 heure, hein. Veuillez m'excuser, cher viewer, mais j'ai envie d'éternuer. Donc ça va pas tarder à partir. Là je me retiens plus. Attends quoi? Quoi? J'ai pas compris. Là-bas, il y a un masque. Là-bas. Là-bas. Là, ça. Bon, voilà, j'ai un casque, mais ça sert à quoi? Elle a dû le dire, mais j'ai pas lu. Je suis sûr que vous êtes en train de m'engueuler, mais Mathias, elle l'a dit. 3 plus 3. Là-bas, il y a une échelle. Purée, mais j'ai encore galéré contre le premier boss, quoi. Allez, allez. Ok. Ça fait quoi ça? Ok. On a mis le premier. Est-ce qu'il faut aller en dessous? Ah! Il est ouf lui. Oula, j'ai presque plus de vie. Wow, ouais. Doucement, monsieur. Doucement. Ça. Ça. Ça, voilà. Oh, ça va venir là, le Hatchoum. Ah, c'est un paratonnerre qu'on a. Ah, je suis ému. C'était l'éternuant meurtrier sur vos écrans. C'est le coup dur, hein, là. Hop, petite corde à sauter et corde à sauter. Voilà, je vous ai donné 10 ans. C'était il y a déjà 10 ans, ça n'empêche. Je me souviens, mon frère, il le faisait au centre aéré. Dehors quoi, 5-6 ans. Aujourd'hui, il en a 15. Peut-être même 16 si je sors la vidéo fin 2020. Mais ça m'étonnerait quand même. Mais on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais.
Certaines vidéos que vous avez vues ont été tournées plusieurs mois en avance. Donc, ah, il y a un cœur là-bas, il y a une vie. Non. Quoi? Ah non, c'est bon, ok, c'était fait. Donc là, Jurassic Park, il attaque, hein. Forcément. Non! Alors, je prédis le prochain loto, suivant la rediffusion de cette vidéo sur YouTube, pour gagner au loto, acheter une grille et jouer les numéros 3, le 7, le 15, le 23 et le 39. Et le numéro chance, ça sera le numéro 4. Donc si vous... Si vous écoutez mes conseils, bah vous êtes millionnaire au prochain tirage du loto. Il fait peur. Ah! Mais ça va pas à la tête, toi! Voilà, donc c'était la petite récompense pour avoir suivi l'intégralité de cette vidéo qui va bientôt s'achever. Sauf si vraiment je meurs bêtement. Mais je suis. Moi, je suis pas trop serein quand même, j'avoue là. Vite, 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 vite. Là, 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 là. Oui, c'est bon. Ah. Oh purée, il faut retomber. Mais j'ai peur du coup. J'ai peur. Hein? Non! Donc, pour ne pas gagner au prochain loto. C'est bon, c'est ouvert. Oui, c'est bon, c'est ouvert. Par contre, je suppose qu'on doit aller chercher quand même le casque qui est là-bas. Je vais quand même le prendre, on sait jamais. J'ai quand même 3 vies. Mais n'oubliez pas qu'après cette phase, je continue de jouer moi en privé, en off. Donc, forcément, je ne prends aucun risque, mesdames et messieurs, aucun. Voilà, c'est bon. Et j'ai un trophée qui s'est débloqué, un succès. Way to bossy. Donc je suppose que là, le boss, il est mort. Oh, te casser, hein, je te casser. Oh, moi, je te casse, hein. De la Bretagne à la Corse. Et tu casses, et tu casses. Je vais me rater. Je vais me rater. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Attends, 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 attends. C'est bon. Donc on est au Roquefort. On a fait le magnifique plat du monde entier. Attention au matos. Ah, désolé, je repose un petit peu ma voix parce que là, j'avoue que je suis un petit peu fatigué de la voix. Ok, donc là, on va voir un nouveau PNJ qui va nous donner une mission secondaire. Ok, tu t'en occupes. Ok, très bien, tu t'en occupes, c'est génial. C'est bon? Ok. Donc on va s'arrêter là. Ça fait quand même quasiment 1 heure de vidéo, hein, la découverte de cette première heure de Voodoo Vince Remastered que j'ai sur Steam. Je suppose que c'est aussi sorti sur One, sans certitude. PS4, ça m'étonnerait vu que c'était à l'époque une exclusivité Xbox. Donc ça m'étonnerait qu'ils aient perdu une exclusivité Xbox, déjà qu'ils n'en avaient pas beaucoup, aujourd'hui d'ailleurs toujours. Mais voilà, c'est très sympa pour l'instant, mieux que certains autres jeux du genre comme Psychonauts par exemple. Je vais le continuer moi de mon côté, si je trouve un moyen d'en faire un défi, peut-être qu'il aura même son petit défi, je ne le promets pas là par contre, hein. Clairement je ne le promets pas.
Puis bon, bah voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, si vous connaissiez, si vous voulez en parler, n'hésitez pas, l'espace des commentaires est fait pour ça. Moi, je vous retrouve dans quelques jours pour soit un défi, soit un 15 minutes chrono, si j'en fais toujours. Normalement, oui. Je dis ça, j'ai toujours pas posté le premier, hein. Ils sont tournés, par contre, ils sont tournés. Et, ou peut-être une autre rediffusion live, on verra. J'ai le nez qui coule à cause de mon éternuement, donc on va tout de suite s'arrêter. Je vous dis à bientôt et salut à tous. Ciao, bye bye.